magia della voce Bici Bici. Vola la mia mente, è scintillio suadente, che libera, mi libera e va. Gioia incandescente, il cuore mi si accende, magicamente amore sarà. Sciolgo le mie vele, al vento del mio cuore, tu stai con me. Con me, come una carezza, mi sfiora già l'ebbrezza, se amore sei, amore sarai. Sogno non c'è più grande di te, mare in tempesta. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la review de Stella Fairy Couture. Donc Sweet Fairy, donc c'est une édition spéciale. Donc la poupée est déjà déboxée, donc je vais vous montrer tout de suite après quelques vidéos du déboxage de la review de la boîte en globalité. Donc voilà. Accende, magicamente amore sarà. Sciolgo le mie vele al vento del mio cuore. Tu stai con me. Pour ce qui est de la review, donc on va commencer par le bas. Donc c'est une boîte un peu comme les Dreamix de maintenant, donc qui s'ouvre par dessus ou par en dessous, donc pas comme les anciens systèmes. Donc voilà, et donc après on sort là où il y avait la poupée qui est ici tout simplement. Donc ce qui est du bas de la boîte, on a un artwork de Stella dans sa tenue Fairy Couture, donc Sweet Fairy, avec My Fairy Friends, donc en écriture où on voit un reflet holographique. Donc là on peut voir les reflets de ses ailes, les contours de ses ailes faits avec des paillettes. Donc pareil pour ici. Ensuite on a Smoby qui est marqué ici, alors que c'est une Witty Toys Special Edition. Les ailes de Flora Bidivix. Donc voilà, ici Wings Fairy Couture Sweet Fairy. Donc c'est un cœur où était mise la poupée, donc vous verrez ça juste après. The Magic is in You, encore avec le reflet holographique. Ici des ailes de Flora Bidivix juste là, donc des ailes de Flora Bidivix et Wings Fairy Couture. Donc par ici, hop, des reflets sur le côté, des ailes de Flora Bidivix. Donc voilà, ici Smoby. Et derrière, donc avec les ailes de Flora Bidivix en grand ici, une autre paire en plus petite, Wings Fairy Couture, Sweet Fairy. Un cœur où est la poupée, où la poupée est dessinée tout simplement, avec d'autres ailes de Flora Bidivix, Rainbow et The Magic is in You. Donc Stella of Wings Club, pour le plaisir d'une poupée inédite collector, Stella sans robe de magie. Elle est fabuleuse avec son style féerique haute couture. Prépare-toi à une rencontre magique. Pour ce qui est de l'intérieur de la boîte quand on ouvre, donc hop, voici l'intérieur de la boîte, tout bleu avec les ailes de Flora Bidivix qui reflètent un peu. Donc voilà, c'est une boîte normale comme les Dreamix et les poupées de World of Wings tout simplement. Donc avant de passer à la poupée, voici le socle qui est vendu avec. Donc c'est un socle bleu pailleté, donc ici ça s'enclenche ici, voilà, vous le montez ici en enclenchant
le gros tube. Voilà, ici c'est pour mettre la poupée. Et donc là c'est censé pour mettre les pieds, mais quand on attache la poupée les pieds ne touchent pas. Non, parce qu'elle est attachée comme ça ici à cet endroit là. Et donc les pieds sont soulevés au-dessus. Voilà. Donc ensuite, pour passer à la rejoue de la poupée, donc déjà la poupée je l'ai sur le bon coin à 18 € en comptant les frais de port. Donc voilà, ça fait 12 € sans les frais de port. Donc pour une édition limitée, je me suis dit autant la prendre. Donc voilà. Donc on va commencer la rejoue par ses chaussures. Donc elle a des chaussures qui sont toutes bleues. Donc vous pouvez le voir ici, elles sont toutes bleues ces chaussures. Avec sur le talon des diamants roses. Pareil pour juste devant. Donc ensuite, ces chaussures sont les mêmes que les Magical Throne. Donc voilà, avec une lanière ici et une lanière au-dessus. Avec des grandes chaussettes, on va dire ça comme ça. Qui sont bleues à pois blancs, tout simplement. Ensuite, nous avons sa robe qui est juste magnifique. Donc sa robe est en dessous, c'est du tissu rose tout simplement, avec au-dessus du tulle qui est en plusieurs couches, du tulle rose clair avec des petites paillettes dessus. Ici vous pouvez voir de la dentelle, donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, donc voilà de la dentelle. Et au-dessus, ça doit être un petit haut normal, donc je vais pas enlever sa veste de dessus. Donc pour ce qui est de sa veste, elle a attaché avec un petit nœud tout simplement, donc qui est bleu clair. Sa veste aussi est bleu clair, bleu ciel même, donc qui est manche courte et qui démarre au-dessus de son ventre. Voilà, donc attendez, j'enlève ses mèches. Donc ensuite, elle a plein d'accessoires sur les bras. Voilà. Pour ce qui est de son visage, donc elle a les yeux marron, un rouge à lèvres qui est assez flashy. Pour ce qui est du maquillage, elle a un trait de make-up rose avec au-dessus des paillettes orange, tout simplement. Pour ce qui est de sa frange, elle est toute bouclée et elle atterrit comme ça, voilà, toute bouclée. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Tout simplement. Et elle a un cache-oreille rose avec de gros pompons sur le côté qui est attaché ici par un fil. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est de ses cheveux en dessous, ensuite, donc ses cheveux ici sont pris dans une demi-queue, donc ses cheveux sont très longs, donc ensuite qui rejoint ses cheveux jusque là où ici il y a un élastique qui permet à ses cheveux de garder sûrement la forme. Donc voilà, et ils sont bouclés. Donc les pointes sont vraiment en mauvaise qualité, donc voilà. Ils ne sont pas en bonne qualité, par contre ici c'est tout doux. Voilà. Ensuite, elle a deux mèches qui tombent devant, voilà. Par devant, elle a deux mèches qui tombent, donc elles sont accrochées ici sur le côté, et elles tombent jusque quasiment en bas de... de ses pieds tout simplement. Et pour ce qui s'agit de ses ailes, donc ses ailes, c'est les ailes de Flora Bilivix, comme vous pouvez le voir. Donc on peut voir ici que on peut détacher comment dire, le tissu là à l'intérieur. Donc voilà, ça tout simplement on peut le détacher en tirant, mais j'ai pas envie de le faire. Voilà, mais tout à l'heure j'ai réussi à le faire avec ça sans vouloir. Donc voilà. Donc je vais vous faire ça, la rejoue de ses ailes sans la... en enlevant la poupée. Donc voilà la poupée sur son socle. Donc vous voyez que ses pieds ne touchent pas le socle, tout simplement. Donc pour la rejoue de ses ailes, donc voilà, ses ailes sont la forme de Flora Bilivix. Donc ici on peut voir que ça c'est légèrement penché. Je sais pas pourquoi. Le X n'est pas droit, tout simplement. Donc ses ailes sont bleues et blanches principalement. Donc le contour est bleu avec quelques traits à l'intérieur. Donc ça ressemble à des branches d'arbres. L'intérieur c'est on dirait de la dentelle, voilà, tout simplement. Et donc si on bouge comme ça, on peut l'enlever, voilà. Mais j'ai pas envie de le faire parce qu'elle est accrochée sur le côté comme ça, et on peut la remettre.
par répond ici, comme vous pouvez le voir. Et donc quand on touche, c'est on touche de la dentelle et derrière, on touche simplement du plastique. Voilà, voilà pour ce qui est de ses ailes. Donc pour le bilan, je suis super contente d'avoir cette poupée, tout simplement parce que j'ai toujours rêvé la voir celle-là et puis aussi l'autre Flora Fairy Couture ainsi que la Bloom Princess Fairy Couture. Donc voilà, ce sont trois poupées que j'ai toujours voulu avoir tout simplement. Et donc quand je l'ai vue sur le bon coin, j'ai sauté sur l'occasion, surtout à 12€. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Et elle était vraiment pas chère, elle était neuve en boîte, c'est ça le plus impressionnant. Donc voilà. Donc sinon, je n'ai rien d'autre à dire sur cette poupée, à part qu'elle va sûrement jouer un rôle dans une de mes séries, tout simplement. Aussi, elle est articulée aux bras et aux jambes, sauf que cette jambe-là ne s'articule pas. Tout simplement, j'essaye de pousser comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque derrière et j'ai pas envie de forcer de la casser. Et l'autre jambe, quand je la plie, elle fait une sorte de bruit bizarre, alors je n'ose pas non plus la plier. Et quand on la plie, on sent une sensation bizarre, donc je me suis dit, je vais pas essayer de la plier, simplement. Donc voilà, elle restera toujours debout. Donc voilà, je suis super contente d'avoir cette poupée, et puis donc, j'espère que cette review vous aura plu, voilà. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines reviews. Ciao tout le monde!